Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Jodi an, m vle vin pose yon sèl kestyon. Esko pare pou achete yon kay nan mouman sa la? Esko pare pou achete yon kay an nout, septemb, oktob ou bien desanm 2020 la? Repons mwen pou ou si mwen ka pou konsey lan an tanke yon gle set edje? Se non, li ta dweye. Se non li ta dweye. Pou ki sa? Se parce ke tout kondisyon yon rempli pou ke market plan li li en difficulté. Premièrement, moun yo en pile moun pa travay, gen des millions de moun ki pa travay. Ki donc, moun pa travay, moun pa ka paye e kayo. Rendo. Depuis moun pa ka paye kayo, met kayo pral en difficulté et puis gen possibilité pou vin genyen en pile foreclosure nan ane kap vini an. N'a parlé bien entendu, ane 2021, ane 2022. Deuxièmement, ou même qui nous a dit oh pour le moment là et interest rate là li bas li 3% li 3.5 li 3.7 li 3. Combien dépendamment de koto pralé mais qui te m'dou potentiellement si market ça chaviré interest rate là ka descend à 2% s'il descend à 2% ce qu'on ça veut dire ou a perdu l'argent ça veut dire ou a perdu l'argent et l'argent ça yo ou a rembourser yo ça veut dire tout nan jou k'ap vini yo sou acheter la on prix tout ou gen droit probablement refinance li la toujours paraît on ti jan difficile pour mais sou vle acheter quand même m'gon conseil pour parce que m'konnen depuis nou vle acheter kay nou ka insister à ce que nou acheter kay mais kite conseil numéro 1 si ou même ou gen pour acheter un kay quand même ou ka essayer mais mes conditions premièrement faut que ou éviter acheter kay nan flip moun kap flip houses yo parce que c'est une série de réparations cosmétiques que yo fait c'est ça veut dire que yo gen doit acheter kay n'importe qui jan m'pa dit toutes ces mêmes gens n'importe qui jan yo gen doit passer un petit peinture un petit couche peinture capable faire un kay qui te paraît très scary très laid très vraiment très et tête chargée et puis et un seul coup couche peinture là lever visage kay là il y a quelques petites réparations et très légères qui capable faire et puis ouais kay là paraît apparemment en très bonne posture et ça fait m'dou flip houses font petit camper sous yo sous voulez acheter quand même pour pas prendre trop risque soit prendre risque l'argent pas prendre risque dans réparation tout deuxièmement ou pas ka moun ki ready to go la veut dire que un moun ki pa gen aucun intérêt non kay ki simplement gen intérêt pour vendre kay la retirer le sou li faut prendre pile précaution parce qu'on pa konnen à quelle intention moun sa a vendre kay la parce que ou vle vendre yon kay pour moun nan non seulement vle bon service et puis li même tout faut gen garantie que faut konnen que c'est en confiance que le créer à n'importe qui moment li ka fè business ensemble avoir ça veut dire un monde qui gagne intention faire business avoir à la longue l'a toujours arrangé pour le baou un travail ou bien un service qui plus ou moins appréciable mais si vous voulez acheter kay quand même m'dou nan men ki moun bouach pou pas acheter kay si vous voulez acheter kay quand même mais ça pou fè ou pas acheter de préférence yon brand new house brand new house là ou gen plus garantie sou li parce que li même ou konnen li a peine fait ou gen plus garantie sou li ou konnen nan 5 ou gen tant konnen 10 15 20 30 ans ou gen garantie qui plus ou moins sûr parce que parfois gen doit gen ti dérapage qui fait gen doit gen ti problème mais ou plus ou moins tête opposée avec tout si ou pas acheter nan kay moun nan homeowner moun ki propriétaire kay yo ou capable acheter nan men yo tout parce que un moun ki rete nan kay pendant 5 10 15 ans ça veut dire que moun nan pa prêté nan kay lan pendant kay lan en très mauvais état parce que faut ka floche toilette lan faut gon série de conditions faut lan condition bien que gon paquet moun ki très pas propre gen moun ki rete nan kay et puis kou pa habiter nan kay lan et kou acheter kay lan et puis c'est bagay tête chargée moi même prendre courant parce que m'acheter kay m'prendre courant moun nan rete nan kay lan débarquer me débarquer dans kay la m'pa di nou
à qui ça me déca comparer. Ça me quitte pour une prochaine vidéo. Mais si nous ouais, ça m'a dit là, gain important sous question possibilité que pour acheter caille ou bien pour pas acheter caille, allez et puis m'a continuer poster en pile vidéo sous ça tout. Allez cliquez en bas vidéo, on a pour un bouton subscribe là. Cliquez sous lit, ligne couleur rouge pour nous capable continuer. Il y a plus d'informations qui concernait real estate et puis qui concernait personal finance et puis en pile l'autre information qui concernait question l'argent parce que moi j'aime parler de l'argent même l'homme bagage l'argent. OK, donc une bagage qui est plus important tout ça veut dire que acheter caille dans main dans brand new houses et puis acheter caille dans mes propriétaires caille pour nous gagner un minimum de garantie. Et puis une bagage qui est très important que m'a dit nous toujours arranger nous pour nous acheter caille. Même on fait un market value, éviter acheter, li toujours plus avantageux pour acheter un caille. Very low market value. Un bon exemple pour nous. Nous avons préparé un petit bot pour nous, pour nous essayer de nous quelques explications. On allait bien rapide pour nous capable ça m'a expliqué nous. Premièrement, nous avons regardé le tableau ça. Imaginez-nous que nous arrivons dans le neighborhood. Nous décidons d'acheter caille quand même pendant le mois d'août jusqu'à décembre 2020. Nous arrivons dans le neighborhood, nous avons un gros caille. Il y a deux cailles. Tous deux cailles, ça y est, le neighborhood, la caille vend entre 475 à 500 000 dollars. Ça veut dire que la caille ou a potentiellement ou bien éventuellement acheté, la range price, ça y est. Donc, cool dans range price, ça y est. Pour faire un bon deal par rapport avec Jean-Marc là, très vulnérable, très difficile là, à n'importe quel moment, les cas drop, net, all the way, bien que vous avez une obligation pour qu'un bill, même nous sommes café. Si vous avez acheté un cas pour 500 000 dollars pour nier, ou aller, ou jouer un loan officer, ou pour qualifier like for 500K, 500 000 dollars. Ok, 500 000 dollars, vous décidez de mettre 5% down, cap évalué avec 25 000 dollars, 25K. Et puis, ça veut dire que dans la main, la banque là, on peut prêter 475 000 dollars, mais pas oublier, non, fait 5% down, qui c'est 25 000 dollars, right? Et puis, sans attendre, nous avons ça, value fort. Sans attendre, market plan drop down. Si Carl a perdu 10% dans la valeur pendant acheter la 500 000 dollars ou fait 25% down ou prêter 475 000 dollars, si Carl ça drop 10%, Carl a vint vaut 450 000 dollars. Ça veut dire 10% 500 000 dollars, c'est 450 000 dollars. Quand il y a coût ou gain, Carl a vint vaut 450 000 dollars. Nous, ça gagne en fait là. Ou gain upside down de 25 dollars, 25 000 dollars. Ça veut dire Carl a gagné acheté pour 500 000 dollars. Tu as gros 25% down, gros 5% down à 25 000 dollars là. Et pour te prêter 475 000 dollars, ou pas. Ou n'en paye PMI toujours. Et puis, un seul coup, carrément, drop 450 000 dollars. Mais pas oublier, non, tu es prêté 475 000 dollars. Ligue est upside down 25 000 dollars. Cabral sous compte parce que faut remettre comme ça. Banque là même, rien pas déranger. Parce que depuis qu'elle a perdu valeur dans mon, ou même, ou une obligation pour faire le nécessaire pour servir ensemble avec moi. Parce que dans mon, il perd du valeur. Nous comprenons ce que je dis. Hein? Mais, quittez me dit, nous, ça y est, ou acheter ready to go. Donc, on monde. Ou rentrer dans un caille, Kailan tout pareil pour rentrer là-dedans. Grande différence, si vous achetez Kailan, ou bien vous choisir acheter Kailan pour faire un petit travail là-dedans. Dans même neighborhood, Kailan, vous achetez 500 000 dollars. Là, nous, ouais, market plan descend à 10%, les villes vaut 450 000 dollars, upside down 25 000 dollars. Parce que vous avez prêté 475 000 dollars. Bon, l'autre bagaille. Dans même neighborhood, vous avez l'autre caille. Songez ça me dit non. Neighborhood ça, il y a un cas qui vend entre 475 000 à 500 000 dollars. Ok? C'est toujours même bagarre. Kounye, kay ça, parce que kay là, pas en très bon état, ça veut dire qu'il y a quelques petits mouvements pour faire, il y a un petit peinture pour peinturer, pour changer visage, li, capette pour changer dans kay là, ou bien pour retirer capette là pour mettre bois, poche là pour ranger, ou bien deck là, qui est capable d'évaluer, on dit, 25-30 000 dollars. Ok, ou bien 35 000 dollars dépendamment de grosseur Kaila. Kounia, par rapport avec ce travail, ça aurait pour faire, ou jouer Kaila, on dit ou acheter jusqu'à 400 000 dollars. Soit acheter un Kaila pour 400 000 dollars, qu'on ait ce travail, ça aurait pour faire, même l'on a dépensé 40 000 dollars là-dedans, il n'y a pas de dérange presque. Ou est-ce que vous avez fait le jonvler
Et pas Jean qui a été fait pour moi, non, c'est Jean Vlian. 400 000 dollars acheter KL1, ou une réparation pour faire la donne, ou font 5% d'Aaron, c'est 20 000 dollars, ou à combien on prête, seulement 380 000 dollars. Mais pas oublier, non, de dire, nous, dans le neighborhood, ça, Kaivan, même j'ai l'autre exemple de prêt avec nous, entre 475 à 500 000 dollars. Donc, si Kaivan entre 475 à 500 000 dollars, qu'on y a là, dans le neighborhood, ça, ou qu'il y a un bon avantage comparatif. Pas oublier, non, acheter 400 000 dollars. Ou tout gon paquet l'argent en plus là, ok? Par rapport avec valeur kay nan neighborhood là. On dit, même market value ça, market là descend à 10%. Dans l'exemple ça, parce qu'on t'a acheté très bas market là, par rapport ensemble avec prix d'adouéen, qu'on y a 10% li drop là, ouais, kay ou an, kay pour l'on t'a acheté là. Ou te fin fait réparation là dedans à tout bit drop down 10% li toujours vaut 460 là vaut entre 427 à 450 000 dollars pour qui ça parce que automatiquement que ou fin prêter 380 000 dollars ça ou fin fait réparation ça yo kay ça a get dans même range price la get dans même valeur presque ensemble avec toute l'autre kay qui dans zone là et ou simplement dépenser 30 à 40 000 dollars kounye ça ka pral passer valeur kay sa tout li da descend order way down 10% li toujours vaut entre 427 à 450 000 dollars ça veut dire que depuis en l'air après fin fait réparation à toute market la descend nan ou toujours gen possibilité pour faire pour gagner equity sou kay lan qui évalué entre 47 à 70 000 dollars ça veut dire que li toujours plus intéressant pour acheter kay pi bas market lan ça veut dire valeur ta doit gagner pour acheter le piba et pour acheter le piba gon seule condition faut acheter pour gen ti travail pour faire la donne mais faut bien évaluer ti travail yo pour ou pas dépenser trop cob par rapport ensemble avec l'argent acheté kayla me pense que et exemple ça bien que n'a grand pile l'autre exemple pour nous prendre me pense exemple ça a utile nous et puis si nous toujours ti à ce que n'acheter kay pendant moment ça là en 2021 considérer samedi nous acheter kay qui en bas market là ça veut dire que pas acheter avec un fair price acheter au-dessous de valeur li. Ça veut dire s'il te ka s'il ka vendre 500 000 dollars même l'on qui petit travail qui pour faire la donne toujours arranger pour acheter l'autre gens plus bas prix pour pas faire déficit parce que market là actuellement il est très vulnérable pas oublier non sous information utile parce que n'a toujours gagné et en pile information qui concerne real estate, qui concerne financial, personal finance especially, et puis toute information qui concerne l'argent n'a pas porté pour vous. Chaque jour nous poster, vidéo, au moins une vidéo par jour sous page ça, qui concerne real estate, qui concerne personal finance, qui concerne toute bagaille qui gagne rapport ensemble avec l'argent. Portez-nous bien et à une autre vidéo, je souhaite que nous apprécier et pas oublier nous smash like button, like, commenter, partager pour pas ou seulement gagner information ça. À une autre vidéo.